very unpleasant meeting. Well, I didn't kill you. We used to get along. I taught you so much. Look at you, big-time hacker now. Is that you in the news? The vigilante? You mentioned a second hacker at the Merlot job. But we already knew there was another hacker. You found something new. Intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me. Then I'll consider meeting. Oh, no. My information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. Salut à tous, c'est Calderman. On se retrouve pour le guide donc de Watch Dogs. On s'était arrêté donc à la fin de l'acte 1 où on a réussi à retrouver donc celui qui allait nous jeter à la police. Donc tout va bien finalement. Il est intimidé, il va avoir peur, il va pas parler. Et là on se retrouve du coup au début de l'acte 2. On sait pas du tout de quoi concerne l'acte 2. On sait pas ce qui va se passer, etc. La seule chose qu'on sait, c'est que Damien, notre ancien coéquipier, notre ancien collègue, veut nous voir, veut nous parler. Tout simplement, il faut savoir que lui, il a quelques informations. Il est toujours à la tracte, en fait, du hacker du début du jeu qui nous a pourri un peu la vie. Il a sa recherche. Du coup, il a besoin de nous et il nous lâche pas. Il veut qu'on revienne, on redevienne amis. Pour ça, il nous donne un rendez-vous dans un point précis. À un point précis, on va y aller. C'est une mission relativement courte, il n'y aura pas grand chose à faire. Un peu de course-poursuite, je sais pas, tout dépend en fait, ça peut prendre du temps comme ça peut être super rapide. Donc, on va s'arrêter là, hop, comme ça. On va descendre tranquillement. La mission s'appelle Tiens mon petit. Il y aura pas mal de cinématiques malgré tout. C'est le début de l'acte 2, donc on met tout en place. Tranquillement. Allez, c'est parti. I need to make this quick. Damien's pride is his weak spot. Just play it up. Convince him to say what he knows. Then drop him. He's too reckless. He's too dangerous. On va essayer de retrouver Damien. Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what? Forget it. I don't need whatever you got. You brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. You won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. That's Nikki's house. What are you doing? You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damien! Donc là, pas de problème, on a le temps. Je veux dire, il n'y a pas un compteur qui s'est déclenché ni quoi que ce soit. Donc heureusement, c'est pas trop loin. On va pouvoir y aller rapidement. Dans la prochaine mission, on aura le choix. Entre. Je crois que c'est tout droit. On aura le choix entre tuer donc tous les ennemis ou les esquiver, c'est-à-dire sortir de leur zone de recherche. Donc, si vous voulez les tuer, dans ce cas-là, suivez la mission que je vais faire. Si vous voulez les fuir, prenez une voiture ou une moto, c'est l'idéal. Et dans ce cas-là, utilisez les piratages, etc. pour s'en occuper. Facilement. Les motos en fait c'est ce qu'il y a de plus rapide, donc pour fuir c'est l'idéal. Après bien sûr c'est vulnérable à tous aux impacts, etc. Donc c'est à double tranchant. Donc, on arrive chez Nikki, notre soeur. Hop, petite cinématique. Where are they? Such a waste. All of this, it's such a waste. You know, the real tragedy here is that somebody like you was surrounded by so many fragile things. It makes you fragile. Where? That's not how it works.
Nikki! Where are you? Nikki! Stop and think. You fuck around and she's dead. This isn't how I wanted it. But this is where we are. If you'd listened to me, things would be different. Just tell me where they are. Where they are? There's only Nikki. That little boy. I don't know where he is. Now this is what's gonna happen. I point to a hard drive. I told you there was another hacker. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive. That's all you need to know. And that's the price for Nikki. Stop overthinking, Aiden. We'll need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quid pro and all that. This won't end well for you. Perhaps, but don't get clever. I really have no problem killing that girl. We'll talk soon, partner. Where is Jax? Damien doesn't have him. I hope he's got his tablet. There. He's on the L. Oh, shit. Someone's after him. Donc là, c'est la même histoire. Pas de risque, hein. On a relativement le temps. Donc voilà, il y a une moto, là. Vous avez vu, il y a une moto juste là. C'est pas pour rien s'il y a une moto. On va éviter d'écraser ces gens-là. I'm sending something. It's a zero-day exploit. The trains won't recognize the hack, but it only works once. Send it now. It's sent. What happened, Aiden? I don't have time. Meet me at the Al Motel later, okay? Donc là, on rentre dans une zone. Faut pas se faire repérer. Si on se fait repérer, c'est pas très grave. Il suffit de les tuer. L'objectif, ça va être de hacker le train. Afin qu'on ne puisse plus rentrer dedans. Ah, donc il y a une caméra. Autre. Et on a que le métro. Le métro part, on est tranquille. Direction. Direction la prochaine gare. Voilà, donc normalement on est censé éliminer. Ils sont là. Voilà. Donc là, faut les neutraliser. Donc ici, pas de panique. Hein. Il faut pas se précipiter, il faut juste arriver assez proche pour prendre la caméra du mec. Voilà, on a pris la caméra du gars. De trouver une nouvelle caméra qui doit être dans le coin, ou dans le coin, ou même directement, voilà, pirater le mur. Donc là, on peut prendre une nouvelle voiture, on peut prendre la Ferrari là-bas, par exemple. Ah, ils m'ont vu, ils vont me tuer. J'espère pas. C'est juste. Ah bah, je suis mort. Si, bon. C'est pas très grave. Vous avez vu comment pirater le métro. Donc là, c'est pas grave, je reviens ici. On va prendre ça comme voiture. Donc là, l'objectif, ça va être de neutraliser tout ça. Voilà, donc déjà grâce aux bornes, c'est pas mal. Eux, ils vont exploser peut-être avec la voiture, ça sera plutôt bien. Alors, normalement, voilà, il appelle des renforts. Donc l'idée, ça serait de le tuer avant qu'il appelle les renforts, mais c'est chaud. Essayer de le tuer. Le défaut ici de cette mission, je trouve, et c'est le petit manque qu'il y a dans Watch Dogs, c'est tout simplement il n'y a pas, on peut pas tirer de notre véhicule. C'est quand même un comble dans un jeu comme ça de
Ouais, donc là on a neutralisé la deuxième voiture. Il y en a plein, je vous garantis. Voilà, on peut pas tirer la voiture. Du coup c'est quand même incroyable. On est contraint à devoir soit fuir, soit de les avoir par le piratage. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est quand même relativement dommage. C'est quand même dommage dans un jeu comme celui-là. Allez, les bornes, ça va nous servir. Voilà. Donc il en reste 3. Les 3, on peut fuir si on veut. Maintenant qu'il en reste 3, c'est beaucoup moins difficile. Sauf que là, j'ai plus de... Ah, c'est dommage parce que là, il y a des bornes en plus. Ah si, je vais pouvoir le faire. Voilà, impeccable. Il faut attendre que votre téléphone charge. Hein. C'est plutôt con, mais c'est comme ça. Il se charge tout seul. Moi, dans la vraie vie, j'aimerais bien voir ça. Parce que, le nombre de fois où je suis en rate de batterie. Donc là, il en reste 2. J'espère me les faire rapidement, parce que c'est bien gentil. Mais... Sinon, on peut fuir. Écoutez, je crois que je vais faire... pour la vidéo, je vais faire ça. Ça permet, vous avez compris en tout cas comment ça marchait. Ouais, donc là au moins la mission sera close. Voilà, parfait. Il suffit maintenant de rejoindre le métro. Donc vas-y, vous avez vu, je suis mort. Donc prenez rapidement une voiture dès le début ou un truc comme ça. Car sinon c'est la catastrophe. Alors il est où notre ami? On va passer par là. Voilà, pilotage, c'est pas mon fort. Je radote, mais pourtant c'est vrai. Il est où? Ouais, on va passer par les rails, allez. Hop, on va passer par là, comme des vrais. Hop, on passe au-dessus, on descend, et on y est. Donc vous pouvez fuir, soit essayer de... pirater ce qu'il y a autour de vous pour s'en défaire facilement. Ça peut, cette mission peut vite devenir pénible hein, donc Jax. You're safe now. Right? You're safe. Okay, listen. This is important. Back at the house, did you hear those men say anything? Come on, Jax, talk to me. All right. We're gonna find your mom. Dr. Mendez speaking? Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nikki's brother. Is everything all right? It'd be great if we could meet in person. I'm on the train with Jax. Yeah, we'll meet you there. I need you to be brave for me, okay? Men at the house said this. This is good, Jax. It's good. Sweetheart. What's going on, Mr. Pierce? Where's Nikki? Yeah, it's been a rough week. She forced herself to get rid of Lena's stuff. And, I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. I'll help in any way I can. That'd be great, thank you. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Right? Hey, little man. We're gonna cause some trouble. Let's go.
Voilà pour nous. Je trouve que la psychopathe, quand même, la psychopathe, n'importe quoi, voilà, n'importe quoi. La psychologue, elle a la bonne tête de psychologue quand même. Enfin, je sais pas, j'en ai jamais vu une en vrai, mais je trouve qu'elle est, quand même bien fou, bien faite. Pas bien foutue, bien faite. Bah, dis donc, fin de mission, ça part en live. Et bah, écoutez, voilà pour cette mission. On est plutôt tranquille. Je vous retrouve donc pour la prochaine, tout de suite. Tout de suite. Allez, à plus tard. On va essayer de retrouver Damien. Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what? Forget it. I don't need whatever you got. You brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. You won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. That's Nikki's house. What are you doing? You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damien! Donc là, pas de problème, on a le temps. Je veux dire, il n'y a pas un compteur qui s'est déclenché ni quoi que ce soit. Donc heureusement, c'est pas trop loin. On va pouvoir y aller rapidement. Dans la prochaine mission, on aura le choix entre... je crois que c'est toi. On aura le choix entre... tuer donc tous les ennemis ou les esquiver, c'est-à-dire sortir de leur zone de recherche. Donc si vous voulez les tuer, dans ce cas-là, suivez la mission que je vais faire. Si vous voulez les fuir, prenez une voiture ou une moto, c'est l'idéal. Et dans ce cas-là, utilisez les piratages, etc. pour s'en occuper facilement. Les motos, en fait, c'est ce qu'il y a de plus rapide, donc... c'est l'idéal. Après, bien sûr, c'est vulnérable à tous aux impacts, etc. Donc c'est à double tranchant. Donc, on arrive chez Nikki, notre soeur. Hop, petite cinématique. All of this, it's such a waste. You know, the real tragedy here is that somebody like you was surrounded by so many fragile things. It makes you fragile. Where? That's not how it works. You don't want to answer that. Yeah. Nikki, where are you? Ah, donc il y a une caméra. Une autre. Et on est avec le métro. Le métro part, on est tranquille. Direction. Direction la prochaine gare. Voilà, donc normalement on est censé éliminer. Ils sont là. Voilà. Donc là, faut les neutraliser. Donc ici, pas de panique. Hein. Il faut pas se précipiter. Il faut juste arriver assez proche pour prendre la caméra du mec. Voilà, on a pris la caméra du gars. De trouver une nouvelle caméra qui doit être dans le coin, ou dans le coin, ou même directement, voilà, pirater le mur. Donc là, on peut prendre une nouvelle voiture. On peut prendre la Ferrari là-bas, par exemple. Ah, ils m'ont vu, ils vont me tuer. J'espère pas. C'est juste. Ah bah je suis mort. Si, bon, c'est pas très grave. Vous avez vu comment pirater le métro. Donc là c'est pas grave, je reviens ici. On va prendre ça comme voiture. Donc là l'objectif ça va être de neutraliser tout ça. Voilà, donc déjà grâce aux bornes c'est pas mal. Eux ils vont exploser peut-être avec la voiture, ça sera plutôt bien. Alors normalement, voilà, il appelle des renforts. Donc l'idée, ça serait de le tuer avant qu'il appelle les renforts, mais c'est chaud.
essayer de le tuer. Le défaut ici de cette mission, je trouve, et c'est le petit manque qu'il y a dans Watch Dogs, c'est tout simplement, il n'y a pas, on peut pas tirer de notre véhicule. C'est quand même un comble dans un jeu comme ça de... Voilà, donc là on a neutralisé la deuxième voiture, il y en a plein, je vous le garantis. Voilà, on peut pas tirer de la voiture. Du coup c'est quand même incroyable, on est contraint à devoir soit fuir, soit de les avoir par le piratage. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est quand même relativement dommage. C'est quand même dommage dans un jeu comme celui-là. Allez, les bornes, ça va nous servir. Voilà. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive, that's all you need to know, and that's the price for Nikki. Stop overthinking, Aiden. We'll need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quid pro and all that. This won't end well for you. Perhaps, but don't get clever. I really have no problem. Talk soon, partner. Where is Jax? Damien doesn't have him. I hope he's got his tablet. There. He's on the L. Oh shit, someone's after him. Donc là c'est la même histoire, pas de risque, hein. On a relativement le temps. Donc voilà, il y a une moto là, vous avez vu, il y a une moto juste là. C'est pas pour rien s'il y a une moto. On va éviter d'écraser ces gens là. Donc là on rentre dans une zone. Faut pas se faire repérer. Si on se fait repérer c'est pas très grave. Il suffit de les tuer. L'objectif ça va être de hacker le train afin qu'on ne puisse plus rentrer dedans. Il en reste 3. Les 3 on peut fuir si on veut. Maintenant qu'il en reste 3 c'est beaucoup moins difficile. Sauf que là j'ai plus de... Ah c'est dommage parce que là il y a des bornes en plus. Ah si, je vais pouvoir le faire. Voilà, impeccable. Il faut attendre que votre téléphone charge, hein. C'est plutôt con mais c'est comme ça. Il se charge tout seul. Moi dans la vraie vie j'aimerais bien voir ça parce que... Le nombre de fois où je suis en rap de batterie. Donc là, il en reste 2. J'espère me les faire rapidement parce que c'est bien gentil. Sinon on peut fuir. Écoutez, je crois que je vais faire, pour la vidéo je vais faire ça. Ça permet de, vous avez compris en tout cas comment ça marchait. Donc là au moins la mission sera close. Voilà, parfait. Il suffit maintenant de rejoindre le métro. Donc vas-y, vous avez vu, je suis mort. Donc prenez rapidement une voiture dès le début ou un truc comme ça. Car sinon, c'est la catastrophe. Alors, il est où notre ami? On va passer par là. Voilà, pilotage. C'est pas mon fort.
je radote, mais pourtant c'est vrai. Ah, il est où? Ouais, on va passer par les rails. Allez. Hop, on va passer par là. Comme des vrais. Hop, on passe au-dessus. On descend et on y est. Donc vous pouvez fuir, soit essayer de pirater ce qu'il y a autour de vous pour s'en défaire facilement. Ça peut, cette mission peut vite devenir pénible, hein, donc. Jax, you're safe now, right? You're safe. Okay, listen. This is important. Back at the house, did you hear those men say anything? Come on, Jax, talk to me. Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nikki's brother. Is everything all right? Aiden, we had a very unpleasant meeting. Well, I didn't kill you. We used to get along. I taught you so much. Look at you, big-time hacker now. Is that you in the news? The vigilante? You mentioned a second hacker at the Merlot job. But we already knew there was another hacker. You found something new. Intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me. Then I'll consider meeting. Oh, no. My information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. Salut à tous, c'est Calderman. On se retrouve pour le guide donc de Watch Dogs. On s'était arrêté donc à la fin de l'acte 1 où on a réussi à retrouver donc celui qui allait nous jeter à la police. Donc tout va bien finalement. Il est intimidé, il va avoir peur, il va pas parler. Et là on se retrouve du coup au début de l'acte 2. On sait pas du tout de quoi concerne l'acte 2. On sait pas ce qui va se passer, etc. La seule chose qu'on sait, c'est que Damien, notre ancien coéquipier, notre ancien collègue, veut nous voir, veut nous parler. Tout simplement, il faut savoir que lui, il a quelques informations. Il est toujours à la tracte, en fait, du hacker du début du jeu qui nous a pourri un peu la vie. Il est à sa recherche. Du coup, il a besoin de nous et il nous lâche pas. Il veut qu'on revienne, on redevienne amis. Pour ça, il nous donne un rendez-vous dans un point précis. À un point précis, on va y aller. C'est une mission relativement courte, il n'y aura pas grand chose à faire. Un peu de course-poursuite, je sais pas, tout dépend en fait, ça peut prendre du temps comme ça peut être super rapide. Donc, on va s'arrêter là, hop, comme ça. On va descendre tranquillement. La mission s'appelle Tiens mon petit. Il y aura pas mal de cinématiques malgré tout. C'est le début de l'acte 2, donc on met tout en place. Tranquillement. Allez, c'est parti. I need to make this quick. Damien's pride is his weak spot. Just play it up. Convince him to say what he knows. Then drop him. He's too reckless.